J'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Soda. Ouais, on se retrouve pour un vide-grenier. Paf, pouf, paf, pouf, dimanche, c'est cool. On est tous les deux, c'est un peu bizarre, on devait être avec Lise et Aurel. On y sera sûrement la semaine prochaine. En tout cas, on est tous les deux, on a trouvé pas mal de choses, on est content. On a fait des belles trouvailles, on a fait combien de vide-greniers? Deux. Et on en a fait Deux. On a fait deux vide-greniers, c'était cool. Surtout le premier, mais c'était des gros, c'était bien. C'était des gros, ouais. Et c'était pas loin de chez nous, donc c'était cool. La saison est repartie, j'ai envie de dire. Ouais, on y croit. Ça commence. On y croit. On espère que c'est pareil chez vous. Ouais, ou pas, comme ça on a plus de trucs. Oh. Bah, de toute façon, les autres studios vide-greniers sont repartis là. Je vois Retroxidia, je vois Kirby 54. Mm. C'est des gens qui, voilà, qui reprennent Conquerax aussi. Ils ont tous repris, donc c'est cool. La drogue. Ils ont repris de la drogue. Ils ont tous pris un maximum de drogue. Et du coup, ils sont tous shootés comme nous. Je sais pas par quoi on va commencer. Je pense que je vais te laisser commencer par choisir un truc. Et puis moi, je vais choisir un autre truc et machin, on pioche dans le sac du vide-grenier. Je voulais commencer par les cadeaux qu'on va faire, mais en fait je me dis que on va pas les montrer tout de suite, comme ça ils sont obligés de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'on vous connaît. C'est pas bête. Donc Lise et Aurel, si vous voulez rester jusqu'à la fin, il y a des cadeaux pour vous. Non, d'ailleurs, ça va pas être à la fin, sinon ils vont aller jusqu'à la fin de la vidéo. Ah. C'est n'importe quoi la vidéo. Je vais commencer par le truc qu'on a payé le moins cher en fait, parce que on a payé ça 30 centimes les deux trucs. C'est vraiment pas cher. Ça fait 15 centimes unité si je sais compter, Sandor. Exactement, mon cher Didier. Donc la dame, en fait, elle m'a pas dit de prix, en fait. Elle voulait s'en débarrasser, quoi. Elle m'a dit 30 centimes, voilà, bref. C'est deux petits comics, comme ça. Des petits magazines. Des comic books. En fait, c'est des parodies, hein, on peut dire ça, des parodies de... Ouais, je sais pas trop si c'est des parodies ou pas, parce que là, ça a l'air d'être le vrai Flash, hein, je sais pas trop. Ouais, donc là, on a Spoof. Comme Spoof Movie, mais c'est pas ça. Donc on a Flash. Le Flash, oui, avec Flash, pardon. Ça s'appelle d'ailleurs Star Flash, et donc derrière on voit le petit Batman, le petit Superman, le petit Robin, mais avec d'autres personnages pas connus, il y a Aquaman aussi. À l'intérieur, ouais, c'est assez marrant, il y a des enfants. Ça a l'air d'être un truc pour les gamins. Ouais, c'est ça, les aventures de Jerry Lewis. Alors Spoof, juste vous dire l'année, c'est 81. C'est DC Comics hein, qui édite ça. Ça par contre, ça m'a très intrigué parce que voilà, ça s'appelle Suzy, collection Prime Vert. Prime Vert. C'est une espèce de Catwoman, mais je sais pas si on va bien voir. Voilà, ouais, parfait. Nickel, ouais. Donc elle a un peu des poils, vous voyez, sur son costume. Ah, les poils du costume. Et ouais, vas-y. Et c'est DC toujours aussi qui édite. Et c'est 80. Pour moi, c'est du coup, c'est pas Catwoman, en fait, c'est bah comme ça s'appelle Suzy, ça doit être ça. Donc à l'intérieur, on a Suzy Supergirl. Je ne connais pas du tout ce personnage. Moi non plus. J'en ai jamais entendu parler. On va pouvoir découvrir. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Et puis bah si vous avez des infos, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des enfants, c'est parce que je crois que tu allais dire si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est à moi de choisir. Alors, un petit jeu vidéo payé 5€. 5€. Non, 3€, pardon. 3€, pardon. Un peu cher, non, ça va. C'est un jeu de Wii. C'est Les Simpsons, le jeu en complet. Ça fait plaisir. Sandar va aller voir si je l'ai. C'est cool, ça fait plaisir. C'est un jeu qui est très réputé, Les Simpsons. Je sais pas si celui-là en particulier est bien. Les jeux Simpsons sont cool. C'est 12 ans et plus, violence, gros mots, drogue, sexe, machin. Donc c'est marrant. Je ne l'ai pas, c'est cool. Cognez, harcelez, réfléchissez et mangez pour aider Les Simpsons et avancer dans les méandres de l'industrie du jeu vidéo. Donc en fait, ça se passe dans l'industrie du jeu vidéo. C'est plutôt cool. Une intrigue délirante concoctée par les auteurs des Simpsons et qui met en scène les habitants de Springfield préférés. Plus de 40 minutes inédites d'animation des Simpsons pas vues à la télé en plus, parce qu'il y a des scènes animées. Et jouer avec un ami en mode coopération. Ah, ça cool. C'est cool. 3€, très bon presque prix. Presque 9, ouais. Bon, il est nickel. Très bon état. Oui, il y a la notice. C'est cool. Très content pour la collection. Ensuite, moi j'ai trouvé... Non, tu m'as trouvé. Enfin bref. Oh, on s'est trouvé. Un truc pour moi, en fait. C'est une collection de cartes
Batman. C'est en anglais, donc je sais pas du tout où ça sort. Donc c'est des cartes à jouer classiques, quoi. En fait, les jeux, voilà, avec la dame, le roi, le valet, machin, là, les trucs comme ça, quoi. Et le Joker, du coup, c'est trop cool parce que c'est le Joker. Bah. T'imagines, ils auraient mis, je sais pas, le pingouin, comme des cons. Donc le derrière, il est comme ça. Non, franchement, elles sont super belles. Alors, c'est Made in Belgium. Ah, c'est belge. C'est belge. C'est Carta Mundi, la marque. Ils disent qu'il y a des... Alors, c'est... je traduis de l'anglais un peu à l'arrache. Donc, c'est des designs originaux, de DC Batman. T'as les différentes séries. Bold Power, Gothic Knight, Hyperdrive, Night FX, Night Force, Night Shadow, Ninja ouais. Knight, and Shadow of Batman. Donc je ne sais pas du tout où la personne a trouvé ça, mais en tout cas c'est super cool. Je sais pas si ça vaut quelque chose. En tous les cas, moi je suis content d'avoir quelque chose de Batman. Ouais, on l'a payé 1€. Tu joueras pas avec, je pense. Ah si. Collector Edition. C'est à moi, bah alors j'ai envie de vous lancer l'instant carte. On a trouvé un bon gros paquet de cartes. Toutes presque à 20 centimes, il y avait un tas aussi où c'était 3 euros les machins, mais c'était à peu près 20 centimes, on va dire. C'était un peu moins, mais 15-20 centimes la carte. Le standard lance l'instant carte. L'instant carte. Quelle heure du... Bonjour et bienvenue dans l'Instant Carte. Et oui, beaucoup de cartes comme vous l'avez vu, je vais vous en montrer quelques-unes en détail, les meilleures je trouve, en tout cas les plus intéressantes à mon goût. Vous allez le voir, il y a pas mal de choses, des rares, mais pas que, des cartes anciennes, des cartes qui me manquaient pour la collection, je suis en plein tri de cartes, donc là je me rends vraiment bien compte de ce qui me manque. Et vous allez voir des étrangères assez rares à trouver, je suis plutôt content. Alors, on commence avec un petit Nénupio de McDo, ça fait plaisir, c'est une carte que je n'avais pas, donc c'est du McDo assez récent, hein, mais c'est du McDo, c'est cool, c'est de l'holographique. Un petit Porygon de Rocket. Ça me fait très plaisir parce que je ne l'ai pas cette carte. L'état est pas parfait, mais je ne l'ai pas. Un petit Topicker de Heart Gold de Triomphe. Voilà, des petites cartes sympas. Un petit Sharpedo en rare. Hein. On est sur du noir et blanc là, à l'époque du team Plasma. Voilà. Un Lac Messigne en rare, toujours. Un autre Lac Messigne en rare de noir et blanc de base. Un Moyad de noir et blanc team Plasma. Un Moyad de je ne sais plus comment s'appelle cette extension. Un Moyad. Un Moyad encore. Et on continue. Hein. Deuxième petit tas. Avec un petit Givrali de noir et blanc aussi. Celle-là, je suis très content. C'est Rocket Returns, si je ne m'abuse. Je sais plus exactement. Le nom. C'est une série qui est exclusivement anglaise. Peut-être qu'elle existe en japonais, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'existe pas en français, donc je suis très content d'avoir une de mes premières cartes de cette série. Vous allez le voir, ce n'est pas la seule. Vibranymph, espèce Delta, Cracknoi, espèce Delta, un petit Lantern du Heart Gold, un petit Ortide, une ancienne carte, une vieille carte, ça fait plaisir. Un Lefori en holo, ça c'est très cool. Un Ortide, espèce Delta, et là on est sur la fameuse carte, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas la seule. On est sur un Southern Island, je ne sais pas si je le prononce bien, mais tant pis. C'est une superbe carte, je suis très content. C'est ma première de cette série. C'est une série très courte, pareil, exclusivement anglaise. Je crois qu'elle existe en japonais aussi, mais encore une fois, pas en français. Et en état irréprochable, je suis très content. Cette carte pour 20 centimes, ça me fait très plaisir. Et c'est une carte que je jouais depuis longtemps. En plus, c'est un petit Marill, un petit... Comment il s'appelle? Je sais plus. Comment il s'appelle ce Pokémon? Magikarp. Mais mon dieu, comment je peux pas me rappeler. Gros bisous à Alès d'ailleurs, du coup, pour cette carte. Je pense que elle lui fait envie parce que c'est du Wizard. Et c'est des cartes assez dures à trouver en Wizard. Voilà. Je vous laisse avec les deux Google pour le vide gris. Et ben vous avez vu, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal les... surtout la petite Marill, là. La petite Marill, ouais. J'ai envie de te dire, vas-y, balance un objet. Ah, le cadeau! Le cadeau! Alors, on va recommencer par un premier cadeau. On va commencer par la personne qu'on aime le moins. Donc, c'est Aurel. On t'a trouvé, on sait pas si tu l'as, hein, mais Kung Fu Panda, donc c'est une peluche avec une grosse tête. C'est Po! Ouais, voilà, c'est Po. Il est tout propre, hein. L'étiquette a été coupée, mais il est nickel. On l'a pas payé cher, hein, parce que sinon... On dira pas le prix. Mais on espère que tu l'as pas, sinon je le garderai... Et je le donnerai à Mego. Voilà. Alors, Sandar m'a trouvé. Je suis très content pour la collection. Car je collectionne un petit peu les pèzes quand j'en vois qui me plaisent. Et là, c'est un pèze. Des pèzes qui te plaisent. Qui pèsent dans le game. Attends, je vais cacher ta tête pour que ça fasse la mise au point. Ça marche! Un pèze Hello Kitty. Je suis très content. Donc, pas en boîte forcément. Mais il est nickel. Il marche bien. Il est propre. Je suis très content de ça. Et tu l'as payé 50 centimes. Ouais, c'est ça, 50 centimes. Il y avait aussi Blanche-Neige. Et il y avait le. Madagascar. Je crois. Ah ouais, c'est le toucan là. Mais Blanche-Neige et le toucan, on s'en fout. Mais Hello Kitty, on s'en fout pas. Parce qu'en plus, les roses, c'est trop cool. Ah, les BD. J'ai montré des BD qu'on a trouvé. Ça, c'était assez ouf. Donc, c'était sur un stand d'une dame qui vendait aussi des cartes Pokémon, mais à qui on n'a pas acheté parce qu'elles étaient chères et en mauvais état. Mais on a, du coup, on s'est rattrapé sur deux BD. Donc, c'est la première, c'est Power Man et Thunderbolt. C'est
Marvel. C'est Artima Marvel. Artima. C'était les Marvel en couleur. Les Miss Hulk, ouais. Miss Luke. Il date de 81. Et comme je vous le disais, c'est marqué à l'intérieur, c'est Artima, les Color Marvel Superstar. Donc c'était des Marvel en couverture un peu cartonnée et tout en couleur. C'est vraiment cool. Ils sont très beaux. Et puis en plus, bah, pour l'histoire, Power Man, c'est le premier héros noir. Ça, c'est cool. C'est cool. La deuxième BD, c'est une assurance qu'il a faite. AXA. Ah, c'est vachement drôle, ça s'appelle AXA. C'est une BD de science-fiction, en vrai. De science-fiction avec du cul. Non, mais en vrai, c'est une BD de science-fiction, c'est cool. Romero, Avenel, les deux auteurs. Moi, j'aimais vraiment bien les planches à l'intérieur, je trouvais ça vraiment cool. Moi, je trouvais ça trop petit, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu petit, je suis d'accord, mais après, pas tant que ça, en fait. Par rapport à un comics, en fait, c'est la même chose. Je trouve ça plutôt cool, les dessins me plaisent vraiment beaucoup. Voilà, et c'est AXA. AXA, moi, j'avais déjà entendu parler, c'est une héroïne, donc une guerrière, une espèce de viking un peu. Les deux, on les a eu à 4 euros au lieu de 5. T'as raison de le préciser, celle-là était à 2 euros, le Power Man à 3. Et on a eu les deux pour 2. Pour 4. Pour 4. Pour 7. Pour 1000. Pour 23 euros. Ce qui est pas mal. Du coup, vous savez combien elle a payé? Vous vous rappelez plus? Vous savez plus? Touche pas la BD. Touche pas la BD. Je veux voir. Touche pas la BD. Touche pas la BD. Elle a touché la BD. Ça date de 81. Décidément. Mais tout date de 81. Décidément, on a tout acheté de 1980. C'est quoi le délire là? Je comprends pas. Retour à le futur, je sais pas. Mais Marty nous a laissé les BD. Marty de quoi? Marty Freeman. C'est parti, moi je vais faire le cadeau de Liz. Liz, on t'a offert un truc trop cool. Je sais pas comment elle s'appelle, excuse-nous, mais c'est un porte-clé. C'est Machine. Machine, un porte-clé de... Peut-être, Sandar a dit que peut-être ça s'appelle Angel, elle s'appelle Angel, j'en sais rien. Ça s'appelle. C'est la nana dans Lilo et Stitch, voilà, c'est comme Stitch mais en meuf, rose, violette, avec une fleur trop dans bonne. Les cheveux, et deux petites antennes trop mignonnes, et voilà, c'est un porte-clé trop... Et trop beau, en vrai, il est ouais, bien gros, bah, je trouve gros pour un porte-clé, il est super en bon état. Voilà, c'est pour toi, on dira pas le prix qu'on a payé non plus, parce que c'est un cadeau. C'est pas cher. En vrai, regarde ce que j'en fais de ton cadeau. Bon bah on termine par le The Big coup de fusil. On a acheté 3 jeux pour 20 euros. 3 jeux de DS. Bien joué. Et ce qui nous fait 7,50€ le jeu de DS. C'est un peu cher. C'est le ça jeu. Ou quoi 7,50€ pas du tout. Non. 20 divisé par 3. 13,33€. 13,33€ le jeu de DS. Alors vous allez nous dire c'est cher, dis donc. Sarah, tu n'as pas l'habitude d'acheter des jeux de DS aussi chers. Mais en fait c'est des jeux complets. Très complets. Oui, très complets. Et très intéressants. Et que je voulais pour la collection surtout. C'est même pas une histoire de côté, c'est que là je suis trop content de les trouver. Alors, ta gueule. Donc on commence avec un Mario vs Donkey Kong Pagaille à Miniland. Redis comment t'as dit le nom du singe. Donkey Kong. Ding-dong-ding. Bah c'est japonais. Donkey Kong, je sais pas c'est comment Donkey c'est Kong. Donkey. Donkey. Monkey. 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 Okie Donkey. Okie. Donkey Kong. Vraiment cool, en complet pareil, et c'est un jeu qui est vraiment vraiment chouette, que je voulais depuis pas mal de temps. Pour le coup, je suis très content de tomber dessus. Ça me fait assez halluciner. La jaquette est vraiment belle en plus. Ouais, elle est cool. Elle est cool. J'ai hâte de téter ce jeu. J'ai hâte de le téter, regardez. Ah oui, il est pas mal. Attention, ça va à la collection. Enfin. Attends, je mets à la collection. Ensuite, on donc c'est 13,33€ le jeu. Hein. Tu non, as pas dit. Du tout. Pourquoi 13,33€ ? Je sais pas, c'est toi qui dis ça. 13,33€, ça fait pas 20. Attends. 20 divisé par 3. On se calme. Ça fait forcément moins de 10 déjà. C'est 7 6... euros ? Non. 7 euros ? Bon, attends, je vais faire la calculette, ça va. 20 divisé par 3. 6 euros. Ah, les jeux en fait ils ont coûté 6,66€. 6,66€, mais c'est vachement pour du malheur ça. 666 le jeu. Ensuite voilà, 6,66€ toujours le jeu. Nous avons Pokémon version noire. Comme le super héros de Marvel tout oui, à l'heure. Oui, c'est ça. Donc en complet toujours, en très bon état. Oui, en très bon état. Là on se rend le petit noir. Le petit blanc. Le petit blanc. Le petit blanc 2. Blanche 2 c'est cool parce que il y a plein de trucs en plus. C'est bien mieux fait. Et il y a le mode multijoueur sans fil, DS, tout ça, c'est cool. Il est... complet. Ah non, il est plus complet. Il a perdu sa notice. Ils ont versé la notice dedans, c'est tout. Et on les met directement dans l'état... gère des petits vides greniers comme toi. On en demande tous les... samedi. Tous les mois. Faut que ça rime, Sandrine. Tu fais toujours des trucs qui riment pas, ça me saoule. J'en ai marre. À chaque fois que je veux faire des rimes, tu fais pas des rimes. Tu crois que ça m'amuse, moi, de tourner avec quelqu'un qui sait pas faire des rimes? Donc deux vides greniers plutôt bien, voilà. On est venu un peu tard. Oh. Mais donc, on a trouvé quand même des trucs super intéressants. Et avec des prix... alors, on s'est dit, pour le deuxième, surtout que les prix étaient assez élevés par rapport aux autres vides greniers. Pas très facile de négocier, quoi, on va dire. Ah ouais, genre, mais c'est vos prix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à nous mettre des petits pouces sympas, des petits abonnements des sympas. Des petits poussins. Des petits pouces sympas. Ah, des petits pouces. C'était des petits poussins
pas nana. Des petits pouces sympas, abonnement. Et surtout, n'hésitez pas à aller et faire un petit tour sur le Twitter et le Facebook, parce que c'est plutôt cool, parce que... Vous serez au courant de ce qu'on fait. Et l'histoire de la cloche aussi, mais je comprends rien, donc s'il y a des cloches à mettre, faites des cloches. Ouais, faites des cloches, c'est bientôt pas Pâques. Sur ce, nous retournons jouer à Minecraft, on vous laisse, salut. À la prochaine, bande de chiennes. Ce soir, on mange du lard. Et ça, c'est cool.